Ben c'est bien, on aura du temps pour nos pervers là. Les pervers de Pamela, vous savez, ils envoient des messages toutes les semaines à Pamela. Et on va les draguer, on va les chercher nous-mêmes sur les applis de rencontre, sur les réseaux. Ah, je récupère les photos. Et des bonnes têtes, photos, hein. C'est toujours super. Lui qui fait flipper, dis donc. C'est quoi, fait voir? Regarde lui là. Ah oui, effectivement, oui, dans piscine, sa piscine. Avec les lunettes de soleil, je veux baiser, dit. Il est tout barbu. Et tout les nœuds croix autour du cou. Je veux baiser, ah ouais, allez, putain, baiser. Ah ouais, dans ses poils. Il s'appelle. Non, mais il ressemble, bon, il est décédé, mais au mari de Céline Dion. C'est ouais, René, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, ah, c'est le même genre, ouais. Liberty. Oh là là. Alors lui, il est musclé, mais ça lui fait. Il est tellement musclé du torse. Elle est déformée. Qu'il a une toute petite tête et il a pas de cou. Je vais voir. Une toute petite tête. J'ai jamais vu un corps comme ça. Non, mais c'est monstrueux. J'ai jamais vu un mec musclé comme ça. Il a pas de cou. Non, mais c'est. Ouais, musclé. C'est un peu gras aussi. Non, mais tu dirais qu'il. Oui. C'est musclé gras quand même. C'est musclé gras, c'est vrai. C'est pas musclé sec, quoi. Il s'appelle David Pompier. Je le montrerai à Cariole. Ça va l'exciter demain matin, ça. On dirait comme dans les comics, tu sais, là où ils sont. Non, mais l'autre fois, tu sais qu'elle me fait, Cariole. On passe devant les pompiers. Elle me dit, ouais, ça te dérange pas que j'ai. Je les prenne en photo, je lui dis, mais t'as craqué. Normal. Ouais, bien sûr. Alors bon, on en a plein. On les appelle, on appelle qui? Tiens, le mec avec les cheveux gris, on dirait Laurent Gérard. J'ai pas vu. Le premier, ah, là, oui, ça à lui? De loin. Ah non, moi, non. Non, non. Vas-y, on essaye lui. Tain, le mec, il a un menton. Mais on l'a déjà appelé, je crois. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Bon, le mec dans sa piscine, pas joignable. Dommage. Ah. Vas-y, j'essaye. J'espère que c'est pas noyé. Sébastien. Je crois qu'on l'a déjà appelé, Sébastien. Ah, c'est lui j'appelle? Ouais, c'est le mec qui a un menton géant. Tu l'as déjà vu? Ah, te rappelles le mec avec un menton géant là? Bah, je te fais le gros pompier. Bah, fais-le quand même au cas où. Hein. Ouais, okay. Le gros pompier, oui. Ah, lui, il va te démonter, Pamela. Putain, mais c'est hallucinant, le mec, il a plus de coups, quoi. Ah, lui, il te baise, il te démonte. Mais c'est le genre de mec, il arrive à tirer un camion, lui. Allô? Bruno. Ah, bah c'est Bruno. Bruno. C'est Bruno. Bon, Bruno, j'ai qu'un menton. Mon visage n'est composé que d'un menton. Alors, j'ai portugais, on n'a pas la photo de. Portugal. Du visage de portugais, parce que j'ai juste sa bite à portugais. Ça, c'est la bite de portugais, si tu veux, Pamela. Je t'appelle gros gicleur. Allô? Allô? Ouais, gros gicleur. Je me couche pas, ouais. Comment tu vas? Et toi? Bah, écoute, pas mal. Bon, très bien. Ah, j'ai envie de me caresser la chatte, moi. T'es chaude, hein? Ouais, et toi, t'es comment, là? Ben, moi, je suis couché sur mon canapé, j'ai la bite à l'air. Ah, c'est bien, commence à te masturber alors. Ouais, je commence, c'est vrai. J'aime bien ta voix. Ah, moi aussi, merci. Toi aussi, t'as une voix qui me fait mouiller la chatte. Ah, j'adore. T'es un mec? T'as un travail? Non, pas du tout, non. D'accord. Pourquoi t'aimes bien? Mais c'est barré. Putain. Ah, il a raccroché, ouais. Alors, il y a deux solutions. Ou alors, il s'est dit, la voix est quand même un petit peu bizarre, mais t'as comme dit, j'aime bien ta voix. Ou alors, il a giclé. Déjà, c'est rapide. Ou alors, il est déçu que Pamela ait dit que c'était pas un travail. Attention. Ah, mais allô? Ouais. Ouais, ça a coupé? Ouais, ça a coupé, parce que c'est moi qui ai coupé. Non, mais je suis à travers, j'ai une grosse bite que j'aimerais te coller dans le cul. Ouais, j'ai bien compris, mec. Je t'en viens, Céline, t'as besoin, toi? Eh, oh, parle bien, qu'est-ce qu'il y a, l'autre, là? Vilain, va. Allô? T'as que ça à foutre. Ouais, c'est ça, j'ai que ça à foutre. Ouais. Allô, vilain? C'est pareil. C'est que ça à foutre, mec. Donc, en gros, il ne voulait pas de trave. Non, bah voilà, bon, on a la réponse à notre question, en tout cas. Donc, a priori, c'est la voix de Pamela qui. Oui. Ouais, je pense. Elle est plus en forme le vendredi, hein. Je l'appelle homme coquin. En semaine, elle bosse, elle fait des shootings. Bon, j'arrête pas, là. Elle travaille dans la mode, elle est modéliste. Je suis modéliste. Elle est modéliste. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Oui, bonsoir. Bonsoir, je t'appelais, j'ai vu ta photo, là, au bord de la piscine. Et, au bord de la piscine? J'ai vu ta photo. Oui. Et j'ai envie de me caresser, là. Oui, intéressant. C'est quoi ton prénom? Excité. Chippé. Excité. Ah oui, je suis excité, ouais, là, oh, terriblement. Ouais. Mmh. Ah, il a accroché aussi. Ah, mais c'est barré aussi, mais c'est. Ah. Mais c'est non, mais il n'y a pas une erreur sur la photo, parce que la voix ne correspond pas du tout au physique du mec. Ouais, mais c'est pourtant ouais, c'est lui. Attends, ça, c'est homme coca. Ouais, ça finit 0,5 à la fin. Ça finit 0,5. Ouais, fais voir, c'est laquelle la photo? C'est homme coca au bord de la c'est piscine. C'est bien une piscine derrière. Ouais, il a bugué sur la photo de la piscine, ouais. Je crois qu'il a oublié qu'il l'a envoyé. Il ressemble à un animateur de télé italien. Ah. Vas-y, on rappelle. T'as des lunettes fumées. Lunettes fumées, oui.
très à la mode. Je t'en rappelle. Dans les années 80. Tendance. Très à la mode il y a 30 ans. Il répond plus. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Oui ? Ouais, j'ai envie de faire l'amour. Avec qui ? Avec toi. Mais vous voulez d'où ? Bah là, je suis chez moi, là. Je suis à poil. Mais d'où ? À poil. Non, je vais faire voir. Allô ? Qu'est-ce qui se passe ce soir, il raconte. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu sais, la semaine, ils sont peut-être avec leur femme. Hein. Ouais, c'est attends, vrai, t'as raison. Ouais. Je t'en fais un autre. T'inquiète. Alors, un autre. Il galère à parler un peu, lui. Oui, il avait écrit. Il y a un truc dans la bouche. On dirait qu'on lui a enlevé les dents de sagesse. Non, mais on lui a enlevé les dents. Les dents étaient posées dans un verre. Il n'y avait plus rien. Les dents, ils avaient mis dans son stéradon. Plus aucune dent. Dans le verre à côté, tu sais. Ça m'angoissait. J'avais ma grand-mère qui faisait ça. Elle sortait ses dents, elle était peut-être dans son verre. Ouais, mais elle aimait pas, tu sais, elle le faisait pas devant moi, mais des fois je l'appelais et tu sais, elle avait pissé chico, attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Et elle mettait un cachet qui faisait pshhh. Ouais, c'est ça, pour les nettoyer la nuit. Ouais, ouais. Grave. Ma grand-mère, elle avait pareil. Oh ! Il a une toute petite bite. Toute petite, toute raide, mais toute petite. Regarde Marie. Ah putain, au début, je croyais que sa bite c'était son doigt à côté, je me suis dit putain. Allô ? Messagerie orange. Ah, merde. La personne. Regarde, ma toute petite bite. Ah ouais, ouais, c'est pas énorme. Hein ? C'est pas fameux. Non, c'est pas fameux. Ah, lui, il a une grosse tête, Michel, 9. T'as le nombre de mecs qui ont envoyé des photos, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas qui. Il chouffe. Tu veux qu'on appelle Ichouf, c'est ça ? Oui. Alors, je cherche Ichouf comme prénom. Ça existe comme prénom, Ichouf ? Je ne le trouve pas, mais c'est joli, tiens. Tu vois, pour Eva qui cherchait un prénom pour son enfant. Moi, je connais Ichouf. Ichouf. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est José ? Oui, c'est José, oui. Eh, comment tu vas ? C'est Pamela, l'appareil. C'est ? Pamela. Pamela, je connais pas Pamela. Mais si, on s'est parlé déjà. Oui, mais ça me je te reconnais ta voix, oui. Oui, bah dis donc, ça va bien au niveau de la mémoire, toi, ça fonctionne bien. Oui, et oui, mais non, mais Pamela, je me rappelle pas que tu m'as dit Pamela, peut-être un autre prénom. Ah mais... non, mais moi je m'appelle toujours Pamela. Hein. Ah oui ? Bon, d'accord, désolé. Hein. Ah. Ah, j'ai envie de me caresser, là. Ah. T'as envie, toi ? Ouais, pas trop ce soir, non. Je suis fatigué, ce soir. Oh, allez, José, merde ! Quoi ? Allez, excite-moi un peu. Excite-moi un peu la pachole, quoi. Oui, quoi, tu veux ma queue, c'est ça que tu veux ? Eh ben oui, c'est ça que je veux, ta grosse queue, José. Ah, viens la voir, alors. Ah ouais, mais là, j'aimerais bien que tu m'en parles, déjà, vas-y, excite-moi, ouais. Ça. Allez, vas-y. T'aimerais bien que je te laisse, non ? Ah, exactement, ouais, t'as tout compris. Parle-moi un peu de ta queue, elle est comment, là ? Ah, ma queue, elle est bien grosse, bien raide, bon, quand tu la veux, tu viens. Mais là, tu bandes ? Écoute, oui, je bande tout le temps, moi. Ah bah dis donc, bah branle-toi alors, vas-y. Ouais, je suis sur le pain aussi, là. Hein ? Oui, moi, je savais que tu me suces, quoi. Viens me sucer. Où est-ce que tu es ? À Paris ou quoi ? Là, je suis à Paris, là, je suis pour un shooting. Ouais, t'as pris, putain, viens me voir dans le sud, là. Eh ouais, mais là, en plus, je fais une pub pour le cassoulet, c'est pour ça que je pensais à toi. Ah, t'as bossé dans le cassoulet ? Non, mais je fais de la pub pour du cassoulet. Ah, ouais, d'accord. Mais amène ton cassoulet, on le mangera ensemble. Eh oui, après, on fera des paix. Eh oui, après, on va péter toute la nuit, quoi. Ah, génial. Bon, alors, José, tu te branles un peu ? Oui, je suis bonne, chérie. Viens me la toucher un peu, là. T'as mis du sucer ou quoi ? T'as mis du sucer, salope ? Ah, ouais, vas-y, pas moi mal. T'es à poil ou quoi ? T'es à poil, là ? Ah, je suis à poil, putain, j'ai chaud, là. Ah ouais, t'as chaud, hein. Ça va. T'aimes ça, hein. Ah ouais, vas-y, José. Putain que t'aimes ça, là. Ah ouais, je suis ta salope. Hein, t'aimes te faire baiser, hein. Ah ouais, vas-y, baise-moi bien. Ça te plaît que je te nique, hein. Ah ouais, vas-y. Je te mets des coups de queue dans ta chatte, hein. Ah ouais, vas-y, t'es romantique, j'adore ça. Salope que je suis, là. Ah, il s'est barré aussi, putain, mais c'est hallucinant. Mais c'est qu'est-ce qui se passe, chelou. J'adore José. Bon, on l'avait déjà eu, José. Ouais, mais putain. Attends, je te rappelle, non. Avec sa très belle voix, vas-y, rappelle-le, oui. La vie, il a coupé son. Ouais, salope. Salope était. Salope. Moi, j'aurais du cassoulet, on va péter toute la nuit. Salope que tu es, va. C'est parler aux femmes, José. Salope que t'es. On sort en bas, je te laisse.
Ça sonne en bas, tu te fous de ma gueule. Ah, c'est barré. Ça sonne en bas. Ça sonne en bas, il y a les gamins qui arrivent. Ah, les gosses, ils font des chiens. Il y a la femme qui arrive. Bien sûr, c'est la femme qui arrive. Rappelez-vous de José, là. Le coup de cul dans ta chatte, là. C'est quand il était chaud, ça. Là, je te la mets bien dans la chatte, là. Ça met dans la chatte. Là, je t'en parle bien, là. Ah oui. Ouais. Vas-y, là, je la sors, là. Allô? Allô? Et bon, pas. Vas-y, ouais, ton cul, la salope, là. T'aimes ça, hein? Ouais. Allô? Ton cul, la salope, t'aimes ça, hein? Ah, tiens, là, j'accule, là, tiens. Dans ton cul, je t'éjacule, là. Dans ton trou de cul, je t'éjacule. Oui, calme-toi, José. Ah ouais. Et pour finir en beauté. Oh ouais. Oh, c'est bon de t'enculer, de te baiser, là. Ah ouais. Ah, ta salope. C'est bon de t'enculer. Allô. Allô. Oui, bonsoir. C'est qui? C'est Pamela. J'ai pas compris. C'est Pamela. C'est Christian. Oui. Christian. Oui. J'ai envie de me caresser, Christian. Ah, ils ont tous raccroché. Mais c'est pas ça. Merde. Putain, mais. Non, mais on saurait que mardi, ils sont pas super chauds. Mais qu'est-ce que t'arrives, quoi, c'est clair, ça. Non, mais c'est vrai, même l'autre. Ah, il a pas envie de me branler, salope. Ah, c'est ça. Ça n'en pas. Donc, on termine avec, avec les beaux, les doux mots, les doux mots de José. Ah, j'ai eu, je t'encule, la salope, là. Ah, salope. Ah, je t'encule, là. Ah, tiens. Ah, j'accule, là. Tiens. Je t'encule, là. Ah, quel beau de t'enculer, con. Je dis direct, je crois que c'est Cédric qui est parti se branler. Voilà. Ou alors il est parti se coucher, je ne sais pas. Tiens, Cédric, pour te finir, c'est vrai qu'il est sorti du jeu, c'est pas ouais. Pour te finir, Cédric. C'est fou. Bonsoir, ça va, bébé? Quelqu'un veut pas aller voir, je pense qu'il est en train de chier, moi. Cédric, c'est la question pour un gros con, ça l'a travaillé. Bon, merci d'avoir passé la soirée avec nous.